Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Aujourd'hui, je me suis mis en tenue de sport. Je suis dans ma rue. Voilà, je vous présente ma rue hein, quand même, mais vous allez mieux voir après. Puis alors, ce qui est pratique chez nous, c'est, je sais pas si vous voyez, mais juste derrière la rue, nous avons un cimetière. Un peu glauque. Je vous avoue, c'est un peu glauque. Alors moi, j'ai décidé d'aller faire un footing en fait aujourd'hui pour voir ce que ça fait, parce que visiblement, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire en ce moment dans le footing. Donc, je vais tester. Je vais voir ce qu'il y a de tellement excitant et de tellement fantastique dans le footing. Donc, voilà, parce que je vois les gens là. Il y a même des gens que je n'ai jamais vus. Alors, à ce qui paraît, le footing, c'est dans un rayon de 1 km, hein, à côté de chez nous. Moi, je ne sais pas. Il y a plein de gens que je n'ai absolument jamais vus ici, dans le coin, que je rencontre, que je découvre, qui font un footing. Et ils sont là, ils courent, ils courent, ils courent. Et en courant, ils se disent, je suis pas malade. Je suis pas malade. En même temps, mon gars, ma fille, si t'étais malade, que t'avais de la fièvre, je pense que tu serais chez toi. Voilà. Puis alors, il y a des gars, attendez, hein, il y a des gars, on les voit comme ça. Il y a des gars, on les voit comme ça, avec les lunettes de soleil. Attendez, je vous le fais bien. Avec les lunettes de soleil, comme ça, ils courent, ils courent. Ils se disent, je vais peut-être rencontrer la femme de ma vie là, dans un périmètre de 1 km autour de chez moi. Ouais. En même temps, mon gars, si t'avais déjà dû la rencontrer, la femme de ta vie, dans un périmètre de 1 km de chez toi, je pense que tu l'aurais déjà vu, quoi. Tu l'aurais déjà vu, tu l'aurais déjà rencontré. Bon, sinon, non, c'est pas dans mon sac à dos. Sinon, j'ai mon attestation quand même. Pote de sortie, hein. Je vais vous montrer. Hein. La preuve en est. Alors attendez, parce que c'est un peu compliqué de prendre l'attestation comme ça avec le téléphone. Alors, j'ai quand même mon attestation de sortie. Je vais la mettre droite. Hein. Moi, j'ai noté. Hein. J'ai noté. Hein. Je sais pas comment vous la montrer. J'ai noté que je sortais pour pas longtemps. J'ai pas noté d'heure, pas longtemps. Et puis j'ai noté faire rire le monde à un bref instant. Voilà, ça marche. Il y a des voitures qui passent encore. Faire bien calculer moi dans le quartier. Déjà les voisins maintenant tout le quartier. Plus personne qui va me regarder même. Pas me dire bonjour mais me regarder. Voilà, donc pas longtemps. Hein, pas longtemps. Faire rire le monde à un bref instant. Bah ouais, parce que c'est important. Donc on va découvrir. Hein. Bah, si je me fais contrôler, je vous raconte pas. Hein. Ça ne va pas me faire contrôler. Hein. Bon, je pense pas qu'on en ait pour très longtemps. Hein, parce que moi, je fais la rue, là, je vais pas besoin de faire 1 km, moi. Hein. Je pense qu'au bout de la rue, là, sans être malade, je vais tomber et faire une crise cardiaque. Donc on va découvrir ensemble cette excitation de faire du footing en ce moment. J'ai hâte, parce que ça a l'air d'être tellement un truc, une tuerie le truc. J'ai hâte. On y va. Allez, on y va. On y va. Ouais. C'est trop cool. Je suis pas malade. Je suis pas malade. Allez. Oh, c'est une excitation. Alors là, nous avons une voiture, je m'arrête 2 secondes là pour vous montrer quand même, ils ont relevé les essuie-glaces. En même temps, on n'a rien à faire à se garer là, le gars. Mais bon. Alors je vous fais découvrir ma rue en même temps. Hein. Regardez. C'est là les voisins, c'est le quartier. Oh, ça fait du bien. Oh, c'est bien quand même. Bien, hein, de courir. Bien de courir. Peut-être rencontrer la femme de ma vie. Dans la rue, c'est ton chemin. Ah, c'est bien. Je viens de courir comme ça. Hein. Vous voyez, les gars, on peut même courir ensemble, en différé, pas besoin d'être regroupé en groupe. Je suis avec vous, hein, et je cours avec vous. Comme ça, on peut parler,
parce que les coureurs ils aiment bien parler en même temps que courir. Après, je m'arrête. J'ouvre la rue. Pas besoin de faire un kilomètre, moi. Pas besoin de faire un kilomètre. Voilà. Je vais peut-être m'asseoir 2 minutes. On va s'asseoir. Voilà. Ouais, j'étais en train de dire, les coureurs, pas besoin d'être regroupés en groupe, hein. D'être tous ensemble, là, pour aller courir, on peut courir, vous voyez, moi je cours avec vous, en différé, tout va bien. Alors tant que je suis là, j'aurais dû fractionner, je voudrais vous emmener, c'est pas loin du tout, je ne passerai pas les 1 km. C'est le quartier, ils m'ont jamais vu courir. Jamais, c'est pas grave parce qu'en ce moment on voit plein de gens qu'on n'a jamais vu courir. Ça passe inaperçu. Là, je me dépêche parce que derrière il y a une voiture que je connais, j'ai pas trop envie qui s'arrête. Oh là 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 là, il vient vers moi. Alors, je mets des bûches. Voilà, je mange. Voilà. Ça, on n'arrêtera pas. Moi, il va falloir que je m'arrête par contre. On va plus. Une fille avec son chien là. J'espère que je la recroiserai jamais. Parce que franchement, elle a dû se demander ce que j'étais en train de faire. Voilà, je voulais vous montrer. Donc nous on a la chance ici d'avoir le champ qui est quand même juste à côté. Je vous montre le paysage. Quelque chose quand même d'apaisant, de doux, de serein. Je sais pas si vous voyez là-bas au loin. On a la vue sur les montagnes. C'est magnifique. Voilà. Je voulais vous emmener jusque là pour vous montrer où je sors lithium et où les gens en ce moment ils se regroupent en famille. Toutes les familles de Wolfisheim se regroupent ici souvent l'après-midi, ce qui est dommage, voilà, parce que du coup nous avec nos chiens on hésite à venir. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a les chevaux et vous voyez il y a des intersections. Alors la fille là-bas, je sais pas si vous la voyez, elle est là-bas. Moi je suis passée là. Du coup, mais je vous racontais la dernière fois, je reprends mon souffle en même temps. Hein. Je vous racontais la dernière fois. Vous voyez les intersections un petit peu. Enfin vous les voyez peut-être pas trop bien. Mais un petit peu partout. Et en fait, la dernière fois, alors il y avait des familles là-bas. Et alors, ils coupaient là quand il y a quelqu'un qui arrivait. Je sais pas si vous me voyez en même temps avec ma main, c'est pas facile hein. Les gens qui arrivaient comme ça, et puis il y a rien d'autre qui coupait comme ça. Au final, ce qui ne servait complètement à rien, puisqu'on se retrouvait là. Ou dans l'autre sens, pareil, hein. Vous m'avez compris ça. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu, et puis en même temps vous faire découvrir un petit peu chez moi, Wolfisheim. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se fait le tour. Non. On va rentrer. Il faut récupérer maintenant. Il faut récupérer, on va marcher pour récupérer quand même. Et puis là je vois qu'il n'y a pas grand monde, alors je vais en profiter, je vais aller chercher lithium. Et je vais venir tout de suite dans le champ parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pour l'instant, il faut en profiter. Je vous remonte là. C'est tellement magnifique. Moi j'adore les chevaux. Les chevaux, le paysage, les montagnes au loin. Voilà. Voilà mon petit...